tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce lundi 15 janvier, on se gèle chez nous. On a eu une chute de neige de 5-6 bons centimètres, voilà. Donc le réchauffement climatique a encore frappé chez nous. C'est beaucoup, beaucoup trop chaud pour un mois de janvier, hein. D'ailleurs, comme vous le voyez, j'ai tellement chaud que j'ai mis une couverture. Alors, j'ai pas de pelayou. Mais bon, avec la couverture, je m'en sors. Ça a été un de mes cadeaux préférés, ça. Une couverture que je trimballe un peu partout. Bon. Alors, trait de plaisanterie. Eh ben, on va aller faire un petit tour du côté de Davos. Qu'est-ce que vous en pensez? Le forum est actuellement, voilà, en lieu et en place, entre le 15 et le 19 janvier. On se doit être en Suisse, hein, normalement. Et donc, pour ce faire, avant d'embrayer sur le fameux forum et de voir un peu ce qu'ils vont nous pondre comme clownerie, on va faire un petit détour par son grounder, j'allais dire. C'est-à-dire son créateur. Chouabi, on va l'appeler comme ça. Hein. Pour éviter d'avoir des ennuis, n'est-ce pas? Bon, vous avez compris, hein, ok. Chouabi, Chouabi. Alors, on va demander un petit peu ce qu'on peut nous dire sur ce monsieur. Alors, pareil, hein, j'ai son ravissant physique de jeune premier devant les yeux. Espérons que je ne fasse pas de cauchemar. Tiens, d'ailleurs, en parlant de cauchemar, il faut que je vous dise que j'ai fait un rêve bizarre il y a quelques nuits. J'ai rêvé qu'il y avait une espèce d'inondation, mais un truc, vous voyez, le genre tsunami, quoi. Ça m'est jamais arrivé encore de rêver ça. Donc, j'ai rêvé que la mer débordait. Bon, voilà. Je ne sais pas exactement où. Moi, j'étais en train de surfer sur la vague, donc tout en haut. Donc, peut-être que ça veut dire que ça n'atteindra pas l'Europe. Mais en tout cas, il y aura un truc avec l'eau. Après, je peux pas vous dire. Ça m'est arrivé comme ça. Bon, alors. Bon. Ça m'est venu comme ça. Bon, allez, Chouabi. Donc, je vais déjà regarder un petit peu ce qu'on peut nous dire sur le personnage. Et puis, voir un peu comment il va finir. Et puis, après, on fera le forum de Davos. Le forum de Davos. Allez, Chouabi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce monsieur? Ah, comme c'est surprenant. Bon, ben, on parlait d'idéologie et de forum. Oui, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, il s'en cache pas avec le soleil. Mais c'est aussi quelque chose qu'il veut faire rayonner. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Chouabi? Clause de son petit nom. Attendez, il s'est caché. Non, non, viens ici. Ah, alors, il y en a trois qui sont sortis. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce monsieur? Alors, l'inventeur de Grid Reset, évidemment. Et celui qui dit que nous n'aurons rien et nous serons heureux. Hein. Vous vous rappelez cette phrase? Bon, ben, ça commence fort. Hein. Ça commence même très fort. Hein. Bon. Oh, ben, alors, de mieux en mieux. Mais on va regarder si ça le concerne lui ou si ça concerne ses idées. Hein, d'accord? Là, avec le jeu de haut, on ne sait pas. Oui, on a mis sous. Ah, les histoires d'un gendarme. Bon, ben, je crois qu'on va faire en 9. Hein. Allez, j'aime bien en 9 parce que comme ça... Je peux avoir une petite diagonale, ce qui est toujours intéressant. Alors, Mr. Klaus. Ouais. Bon, ok. Alors, maintenant, on va prendre nos grandes cartes. Hein, parce que les grandes cartes sont très importantes. Parce qu'elles peuvent changer, évidemment, l'interprétation que l'on donne des petites cartes. Donc, on va voir si ça me parle de sa personnalité... De son but, de son avenir, je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Monsieur Klaus? Humilié, victime. Bon, ça, c'est la coupe. Je ne sais pas pourquoi je vous mets la coupe, d'ailleurs. Aucune idée. Oh, arrête de t'éteindre, toi, tablette, là. Je n'ai toujours pas trouvé comment la faire durer un peu longtemps. Un peu plus longtemps. Alors, il ne faut que je me déconcentre. Ici, j'ai la mort, la trahison, une organisation. Bon, la termitière. Hein. La termitière. Là, on a la clé dans la porte, l'argent au milieu, vous avez remarqué quand même, hein, l'argent au milieu. Hein. Bon, on peut dire certainement que ça, c'est une de ses préoccupations. Alors, vous avez vu ce qui se passe quand même actuellement au forum. Hein. Je suis tombée sur une vidéo sur YouTube qui montre qu'il y a des gens qui manifestent, voilà, contre ces gens-là. Donc, il y a des gens aussi qui ont compris ce qui se passe, hein, d'accord? Bon, alors, attendez, je me dépêche de les retourner. Aller vers une organisation, ouais, ok. Disgrâce, ouais. Le mensonge, ah oui, alors ça, c'est une solution qui est un mensonge, par exemple, vous voyez? Ces deux cartes-là, elles s'interprètent très, très bien. La douleur du piège,
Voyez, alors ça, ça va là. Les apparences. Apparence d'abondance, peut-être. Ça, c'est ce qu'il nous promet. Hein. Là, on a le devoir. Oui, donc, alors attention, il y a un agenda là. Il y a un agenda ici. Hein. Et qu'est-ce qu'on a là? Le chef. Oui, le chef qui prend des mesures. Oui. Ça, c'est bien lui. Et la joie. Ah, bon. Alors, Mr. Klaus, Monsieur Schwab, dites-nous tout. La disgrâce et la mort. Bon. Alors, est-ce qu'il s'agit de lui? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que là, ça me parle de ce qu'il veut mettre en route. Hein. Regardez. Parce que ici, voilà, est-ce que vous voyez à peu près tout, là? Ouais. Bon, on va faire avec. Hein. Parce que là, ici, vous avez quelqu'un qui poignarde dans le dos, qui veut pourrir. Qui veut pourrir, certainement, les autres êtres humains. Hein. Leur pourrir la vie. Apparence avec l'argent. Donc, en apparence, une abondance. À moins que, vous savez, parce que apparence et l'argent, ça peut être du faux argent. Hein. Donc, par exemple, ça vient de venir, c'est l'argent dématérialisé, puisqu'on n'a pas de, dans le jeu de haut, on n'a pas de truc numérique. J'ai pas de carte numérique. Donc, ça peut être l'argent numérique, par exemple. Apparence d'argent. Ouais, ça peut être ça. Apparence d'argent pour nous pourrir la vie. Et donc, le chef qui décide, oui, bon, d'accord, et qui prend des mesures. Vous aviez bien ici les questions d'agenda. Donc, ils suivent leur plan, je préfère quand même vous le dire, mais enfin, ça, vous avez remarqué. Une solution qui n'en est pas une. Bon, alors, les trois du milieu se comprennent bien quand même. Hein. Une solution qui n'en est pas une avec l'argent numérique et devoir peut-être accélérer les choses. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui regarde la montre. D'accord. Donc là, si j'ai bien réussi à choper le vieux Schwabi, si je puis dire, j'arrive à trouver ici la ligne du milieu, on va dire le fait qu'il veut se dépêcher pour mettre en place sa fausse solution. Bon. Alors, disgrâce avec la mort. On va regarder si c'est dans son plan ou si ça peut le toucher lui. Ok. Mais vous avez ici, regardez, aller vers la termitière, donc aller vers une organisation. Attendez, je remélange encore un petit peu. Donc éventuellement aller vers une société où tout le monde serait comme une fourmi. Vous voyez, avec une tâche bien spécifique. Et des choses, on va dire, un peu robotiques, moi j'ai envie de dire. Hein. Ah, je crois que je suis vraiment là, je suis vraiment connectée sur son plan. Alors, disgrâce et mort, pour qui, pourquoi? Ah, pour les familles, hein. Bon, vous voyez, j'ai bien fait de poser la question. Hein. La fin des familles. Les familles en disgrâce, c'est-à-dire le modèle familial. Et une grande carte par-dessus. Donc, c'est bien son plan. J'ai bien, là, j'ai bien, je pense, ressenti son plan. Dépendre de... Alors, son plan dépend de la fin des familles aussi, hein. Oui. Bah oui, parce que tout ce qui est, vous savez, les trucs arc-en-ciel, et etc., etc., tout ça, c'est bien pour détruire les familles, hein. Et c'est vraiment un élément clé de son plan. Parce que s'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de structure dans la société. Donc, c'est l'individualisme qui va jouer. Donc, l'individualisme, c'est aussi le chacun pour soi, ce qui fait que les gens auront de... plus en plus de mal finalement à se relier. Hein, la famille, c'est une structure. Quand on détruit la famille, on détruit la société. C'est pour ça que vous avez ces deux-là vraiment ensemble. Mettre les familles en disgrâce, en tout cas faire en sorte que la famille ne soit plus finalement une valeur sacrée, une valeur de stabilité, de façon à la détruire. Bon, la fin des familles ici, hein, d'accord. Ça va très bien d'ailleurs avec la carte pourrir. Ben, j'ai pas des belles cartes. Hein. Si vous regardez bien, j'ai rien de beau, hein, sauf joie. Ouais, la joie de mettre en route son projet ici. Hein. Alors, une carte que je n'ai pas encore expliquée ici, c'est celle-ci. Mais ici, vous avez douleur et appât. Douleur et piège. Donc finalement, prendre les gens au piège, pardon, dans la douleur. On va demander comment. Ah ouais, non, mais je sais pas à quoi il rêve la nuit, mais lui, mais c'est pas des trucs très sympas. Hein. Alors, on a encore les histoires ici de recommandations. Et quelque chose qui est une impasse. Bon. On va mettre des grandes cartes par-dessus. Donc là, on demande conseil.
Ouais, donc en fait, vous avez ici vraiment un appât. Donc, on fait tout pour attraper les gens, ce qui conduira d'ailleurs les gens dans la douleur. Des gens qui demanderaient ici des conseils, parce qu'ils seraient embarrassés par quelque chose, voyez. Et alors, l'impasse et l'aversion. Ouais. Tout ça conduirait définitivement dans une impasse. Donc, vous avez vraiment ici tout le plan, hein, mais vraiment, hein, tout le plan de ce cher Chouabi, qui consiste à vraiment détruire les familles en les faisant tomber en disgrâce, grâce notamment à tout ce qui est arc-en-ciel et compagnie, vous avez compris. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Gabi a été nommé Premier ministre. Enfin, je dis ça, bon, je dis rien, hein, mais ça en fait partie, hein. Si vous regardez au Canada, ben, ils en ont un aussi, hein. Et puis, il me semble que le Premier ministre anglais s'en est un aussi. Bon, donc ces gens-là, ils n'ont pas de famille et pour cause. Alors, bref, donc vous avez compris, détruire les familles, pourrir la vie des gens, toujours par la trahison, les attirer vers une société un peu genre fourmi. Alors, les fourmis, n'oubliez pas aussi que c'est, on appelle aussi les fourmis les soldats, hein. Donc, éventuellement, une société très, comment dire, organisée, mais aussi contrôlée, hein. Une fausse solution qui passerait par l'argent, qui n'aurait l'apparence que l'argent, donc le numérique très certainement, je pense. Ici, le devoir de remplir l'agenda et avec des questions d'accélérer. Et là, la joie, bah oui, effectivement, le plan, il est quand même bien avancé. Et on s'est quand même bien fait avoir depuis 4 ans. C'est pas pour dire, mais enfin bon, bref. On a quand même plongé, enfin les gens ont quand même plongé en majorité. Alors, le chef qui prend la décision, donc c'est lui, en fait, c'est lui le chef, hein. Ça, en fait, il est là, lui. Il considère qu'il est le chef et c'est lui qui décide. Bon, vous l'avez ici. On va pouvoir aller le recouvrir un petit peu puisqu'on l'a trouvé. Ici, ben, en fait, donner des faux conseils à des gens qui sont embarrassés, pour lesquels on a de l'aversion, et dans lesquels, eh bien, on va les faire plonger, c'est le cas de le dire, dans la douleur, vers un piège qui conduira de toute façon vers une impasse, quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est donner des fausses solutions aux gens qui vont finalement les conduire vers la fin. La fin de tout, hein. La fin de tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Monsieur Chef? Monsieur, ich bin der Chef. Je suis le chef. Alors, l'aigle qui vole haut dans le ciel. En plus, l'aigle, vous savez que c'est le symbole allemand, quand même, hein. Bah oui. Ouais, d'accord. Ah, tiens, les petits-enfants. Qu'est-ce que ça vient faire là? Et encore une. Le soleil. Bon, bah, il y croit, lui, hein. Il y croit vraiment. Alors, on va remettre encore une petite carte, même si c'est un petit peu le bazar. Bien, qu'est-ce qu'on a sur l'aigle? S'accrocher. Bon, il s'accroche à son rêve, hein. Ça m'appelle une chanson, ça. Accroche-toi à ton rêve. Ouais, il s'accroche à son rêve de voler très très haut. Espoir, c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. Il y a aussi quelque chose par rapport aux enfants. Oui, ben oui, bon, on connaît leur idéal, hein. Et d'entamer un nouveau cycle. Ben, je vais vous dire un truc, c'est qu'il est plutôt optimiste, le monsieur, hein. Il est plutôt optimiste, hein. C'est-à-dire que la carte que j'ai sortie avec le devoir ici et l'agenda, oui, ils vont continuer leur agenda, ça, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, ils continuent. C'est pour ça qu'il faut se méfier et ne pas penser non plus que tout est gagné. Avec quand même des gens qui se réveillent. Et vous avez vu aussi les agriculteurs en Allemagne, effectivement, qui sont en train effectivement de faire vouloir bouger les choses, hein. Mais c'est pas pour ça, veut pas dire que le plan de Chouabi va s'arrêter, hein. Non, il a l'air quand même d'être assez confiant. Espoir effectivement d'avoir la mainmise, par exemple sur les enfants ici, hein. Il s'accroche bien à son rêve, l'aigle, bon, allemand. Hein. C'est le chef qui décide et là, il est assez optimiste également par rapport à un nouveau cycle. Alors, on va demander. Alors, évidemment, j'embraye peut-être un peu sur la suite de la vidéo parce que je voulais voir un petit peu les projets de ce fameux forum. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre le chef, n'est-ce pas? Avec le cycle et s'accrocher. On va aller ranger tout ça. Et on va aller essayer de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il est tellement optimiste. Parce que quand même, hein, moi j'ai l'impression avec le soleil ici, le cycle,
qu'il est assez optimiste par rapport justement à un cycle qui pourrait réussir. Et là, c'est le chef. Je vous le mets comme ça. Alors, Monsieur Schwabi, pourquoi es-tu aussi optimiste? On va demander à l'oracle de l'éclipse. Je crois que vous l'aimez bien aussi, celui-là. Alors, je ne fais pas la jeu de la vérité à lui. En tout cas, j'ai remarqué que la formule vous a plu. Bah, tant mieux, j'en suis ravie. Oui, il faut jouer le jeu, hein, vous savez. Tout ça, c'est des questions de conviction et de croyance. Et c'est vrai que ça m'a étonnée par rapport à ce que j'ai sorti. Alors, bon, allez, Schwabi, ne nous cache rien. Qu'est-ce qui te rend tellement optimiste que tu t'accroches à ton rêve, là? Love spell. Bon, il y a encore des histoires de propagande, là. Hein. Oui, décidément. Alors, il y a des histoires de propagande. Il y a des histoires aussi, certainement, du fait que... Il y a des gens qui se rallient à son idéal, malheureusement. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement optimiste par rapport à ce projet-là? Pourquoi est-ce que tu crois que ça va fonctionner? Parce que c'est ce que je vois dans les cartes. Je ne le sens pas dans le doute, moi, hein, avec des cartes comme ça. Non, je le sens confiant. C'est ce qui m'énerve, d'ailleurs. Éléphant. Alors, l'éléphant, justement, c'est la force, la puissance. Le dauphin. Ah, alors ça, ça peut montrer... je l'avais sorti, cette carte-là, quand je vous avais dit qu'il y aurait un jeune qui arriverait certainement dans le gouv. Hein. C'était dans ma vidéo focus sur 2024. Hein. Vous pourrez aller re-regarder si vous voulez. Hein. C'est autour de la 10e, 12e minute, je ne sais plus. En tout cas, apparemment, le dauphin... J'ai envie de dire que là, Gabriel, il a des espoirs, des plus loin, espoirs, avec un S, dans Gaby. Il y a des questions d'argent encore. Oh là là. En fait, il y a quelque chose par rapport à l'argent dans cette histoire. Vous savez, je vous ai toujours dit que attention avec l'argent, parce que le jour où nous mettrons le numérique, ils nous coinceront. Bon. Donc, il y a des questions de sous. Bon, il y a des questions de capitaux aussi, ceci dit. Hein, il n'est pas pauvre. Hein. Les milliardaires le soutiennent malheureusement. Donc, il a des capitaux, ce qui peut effectivement le rendre assez confiant parce que ça lui donne de la force. Hein. Et le dauphin, si c'est pas Gabi, ben on pourrait dire que ça lui donne aussi une certaine chance. Mais on va dire, qu'est-ce que tu nous prépares, vieux schnock? Qu'est-ce que tu nous prépares qui te rend si sûr de toi? Le temps, ben ça on a compris. Le broom, c'est le balai, d'accord? Ah ah. Alors là, il y a quelqu'un, le prince. Alors, le prince et le dauphin. Ça m'étonnerait que ce soit Gabi quand même, parce que moi, je pense qu'il va être déçu hein, s'il attend que son petit Gabi là, fasse du bon travail. Ça m'étonnerait. C'est un lâche, hein, comme Caligula. Il y a autre chose, là. Attendez, il y a autre chose. Alors, à quoi il s'attend? Il y a un personnage important ici. Il y a un personnage important qui va jouer un rôle. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus, en tout cas, on va dire, qu'est-ce que tu as projeté, Schwabi? Qu'est-ce que tu as projeté en relation avec cet homme-là? On ne sait pas qui c'est. Préjudice. Bon, on est d'accord qu'il ne nous veut pas du bien, d'accord? Il ne nous veut pas du bien. Préjudice, effectivement, c'est quand on cause des dommages à autrui. Horse, pour moi, c'est quand on met les choses en route. Hein. Horse, le cheval. Bon, il y a bien quelque chose en route. Et là, c'est quoi? Le cœur. Alors là, il a préparé... Alors, ça peut pas être Gabi, c'est pas possible. Les gens le détestent. Ah non, me dites pas que les gens l'aiment. Ah non, non. Mais là, il a confiance. Ou en tout cas, il a un espoir en un homme. Qui est un traître, hein, forcément. Mais qui peut être populaire. Le problème, c'est que je ne sais pas dans quel pays. Un homme qui va certainement avancer son plan et causer des préjudices à la population. Mais je vous dis, je ne sais pas dans quel pays. La France, oui, bon, la France, c'est pas non plus un super grand pays. Donc, il y a autre chose. Est-ce que c'est aux US? Parce que ça, effectivement, ça pourrait changer les choses. Ouais, bon, bah là, vous voyez, il veut causer des préjudices en faisant tout disparaître. Ça, on avait compris.
Ah, il y a une femme ici. Alors, il y a un homme et il y a une femme. Et là, il y a une veuve. Alors là, est-ce que éventuellement c'est l'après Biden, l'après Joe? Il y en a un autre qui sera en préparation. On peut se poser la question, hein. Alors, un autre, et pourtant il y a aussi une femme. Donc il y a deux personnages. Ah, ben t'es là, toi. Oui, je sais que t'as faim, ben t'attendras. Ouais, il y a bien un plan secret ici. Il n'y a pas à me déconcentrer, sinon j'ai sorti la carte du chat comme la dernière fois. Un changement. Bon, il nous prépare un truc, mais à mon avis, ça va passer par l'arrivée de nouveaux personnages. Hein, voyez? Et ça, cette carte-là, elle est extraordinaire. C'est un œuf pourri parmi les autres œufs. Voyez, ici. Très bien, cette carte-là. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il a préparé l'arrivée d'un traître. Donc, quelqu'un qui va jouer finalement le jeu éventuellement de quelqu'un de sympa, puisqu'il avait quand même le cœur, donc quelqu'un de populaire, mais qui, vous voyez, evil. C'est mauvais, quoi. Quelqu'un de très mauvais. Donc, un traître. Avec certainement une femme. Donc, un homme et une femme, hein. C'est quand même le titre d'un film. Mais bon, par exemple, un président, une vice-présidente, quoi. Ah, bon. On va demander, est-ce que ça pourrait être par rapport aux élections US? Ah, vous voyez? Je pense que c'est ça. Bon. Donc, apparemment, le monsieur Schwabi, il a déjà tout prévu par rapport aux élections US. Et vous allez dire, ben oui, mais et Donald? Ben oui, mais Donald, ben c'est toute la question, hein. C'est toute la question. Moi, je pense que Donald, de toute façon, ça fait 4 ans qu'il se bat, si ce n'est plus, hein, parce que quand il était président, on lui a mis des bâtons dans les roues, voici en voilà. Ils ne l'ont pas laissé exercer le pouvoir de façon correcte, hein. D'ailleurs, il a même été bloqué en tant que président par les plateformes sociales. C'était dit jamais vu, quoi. Donc, on voit quand même qu'il a les institutions contre lui. Bref. Donald, même s'il a le peuple pour lui, c'est pas gagné. Alors, je veux pas dire qu'il ne va pas gagner, mais c'est quand même un combat qui s'annonce difficile. En tout cas, je vais vous dire que Chouabi, lui, il a déjà prévu qui prendrait la relève. Hein. Puisque j'ai demandé, est-ce que c'est les US? Eh ben, j'ai eu la clé. Donc, oui. Donc, c'est ça qui nous prépare. Bon. Avec certainement les histoires d'argent, on avait vu, hein, argent numérique. Donc, il est assez confiant, finalement. Bon, ok, on va revenir, donc à voir, on va revenir sur le fameux forum. On va essayer de rester cette fois un peu plus sur la France, hein, puisque on sait que Gabi, il doit y être, il me semble, hein. Je ne veux pas de bêtises, vous dire de bêtises non plus, mais je crois que Gabi a été invité là-bas. Alors, Gabi, ben on va lui demander. Oui, je sais que tu es là, oui, c'est ma minette, c'est toi. Alors, avec qui on va demander? À qui on va demander? On va demander. Ben, moi, j'aime bien celui-là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en route là pour l'Europe, pour la France, éventuellement pour l'Allemagne, mais on va regarder surtout sur la France. Qu'est-ce que les dirigeants qui vont aller là-bas? Alors, je ne sais pas si Caligula y est allé. Ils vont peut-être pas y aller à deux, hein. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, quelles bonnes idées! Attendez, j'avais une carte qui était mal rangée. Quelles bonnes idées ils vont encore nous sortir par rapport au forum. Je vous dis, si on avait le climat, hein, nous casser les pieds avec le climat. D'ailleurs, je vous avais dit, il fait super chaud chez nous. On a 5 cm, 6 cm de neige. Ouais, c'est insupportable ce dérèglement climatique. Alors, vous voyez, donc il y a bien des choses qui sont en suspens. D'accord. Bon, j'étais en train de parler de Gabi. Ben, à mon avis aussi, oui, il y a été. Je pense qu'il y a de ça aussi. Alors, ok. Quels sont les projets à l'ordre du jour? Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place rapidement? Allez, on regarde. Ah, il y a des histoires d'enquête. Des histoires d'enquête, d'investigation. De la propa, comme d'habitude. On nous fait chanter. Il y a des questions d'allumer des lampions ou de la lumière. Alors, on va refaire une carte. Des histoires de vérité, là. La vérité ou l'espoir. Mais là, c'est plutôt l'éclaircissement. Donc, c'est la vérité.
Il y a des questions, il y a des histoires de parole ou de communication, je pense. On va demander qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place. Le feu. Ouais. Encore le feu, mais les fausses, le feu qui n'en est pas un, en fait. Ça, c'est fictif, hein. Ah, la lumière qui n'en est pas une, la vérité qui n'en est pas une. D'accord. Avec la propa, ouais. Et ensuite, les protections avec l'ange. Protection de la vérité. La propagande avec la fausse lumière, ouais. Et là, ah oui. Et là, on enquête, on fait des enquêtes sur les gens, justement. Qui apporte, il y a des histoires de lumière, qui apportent de la lumière. Bon, alors attention là, parce que ça, ça sent la sursang. Ça sent la sursang. Ah oui, puis ça peut être aussi par rapport aux gens qui apportent des éléments, on va dire, parce que pour moi, le feu, c'est la lumière, la vérité, hein, qui apportent des éléments véridiques sur les histoires médicales aussi. Mais voyez, ici, là, on fait chanter, donc il y a une musique que l'on impose, hein. Une musique qui, en fait, est une fausse lumière ou une fausse vérité. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Donc ici, il y a protection de la vérité. Là, c'est la protection de la vérité. Par contre, là, il y a des enquêtes par rapport à ceux, justement, qui essaient d'éclairer autrui. Et au milieu, on a une fausse vérité. Ouais, bah ça sent encore les histoires du sursang. Hein. Ça sent les histoires du sursang. Dans l'autre sens, hein, pour les nouveaux, vous renversez les deux syllabes. Hein. Ouh là 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 là, c'est la fin, c'est la fin. Alors, on met fin à l'action de certaines personnes. Alors, vous voyez, on ne voit que les pieds. Donc, ça peut mettre les gens, justement, qui sont derrière leur ordinateur, comme moi, par exemple, parce qu'on ne voit pas la tête. Hein. Donc, on voit que les pieds, mais ce sont des gens qui apportent une certaine lumière. Et là, c'est la fin. Donc, ces gens-là, ils vont être examinés. Je crois que c'est ça, en fait. Alors, ça peut être aussi en relation avec le médical. Hein, les gens qui parlent du médical, comme moi, par exemple. Mais pas que. Ces gens-là, on veut... Alors, peut-être pas les emprisonner, mais en tout cas, on veut mettre fin à ce qu'ils peuvent apporter comme lumière. Hein, oui. Ouais. Bon, là, effectivement, il y a des histoires de marcher dans les clous. Hein. Oh là là. Ça me plaît pas, là. Bon, il va falloir vraiment faire attention. Alors, à propos, faites attention à ce que vous mettez dans les commentaires, pardon. Parfois, vous êtes un petit peu trop explicite. Pas tous, mais il y en a certains. Je dis, attention, je vais devoir supprimer votre com. Hein. Donc, faites attention. Hein. Et là, ben oui, ça, c'est vraiment l'amour de la vérité. Il va falloir se mettre à l'abri. Hein. Ouais. Bon, à mon avis, il y a des histoires d'avoir des gens dans le collimateur, là. C'est sûr. Hein. Bon, d'accord. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des histoires de sursang? Oui, là, il y a la tour de garde. Hein. Ben oui, donc on garde. C'est bien les histoires de surveillance. Alors là, il y a les histoires de corruption. Oui, ben ça, on sait que certains médias, n'est-ce pas, sont corrompus. Et là, justement, c'est les fameuses médias avec justement la communication. Donc, il y a bien des histoires de communication, mais corrompues. OK? Et qui sera surveillée. Bon, OK. Donc, attention, attention. Ils ne vont plus nous laisser nous exprimer. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose? On va redemander. Bon, pour faire trop long, donc je me dépêche. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Flûte alors. Attendez, ça s'est retourné. Et après, la question que vous posez certainement, c'est comment finira Chouabi, hein. On va se dépêcher de le faire. Alors, oh bah alors, mais arrêtez de vous retourner les cartes, quoi. Attendez. Ouais. Bon, il va y avoir une annonce, là, attendez. Parce que ça s'est retourné, quand même. Hein. Non, celle-ci. Bon, il va y avoir des mesures qui vont nous être annoncées, OK. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une autre mesure importante, Ludwig, hein, est-ce qu'il y a une autre mesure importante? Les pleurs. Alors, quelque chose qui va provoquer des pleurs. Bon. Qui va être mis en route, oui. Ah, ils nous veulent bien, ces gens-là. Hartung.
Wir lieben die Leute, on aime les gens. Ouais. Je ne peux pas vous faire son accent, il a un accent avec vraiment à couper au couteau, lui. Alors. Ah ben, on va être dans le collimateur, hein. Oh là là. Ouais. Aïe, 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 aïe. Alors, j'aime pas trop, hein. Mais alors, pas du tout, hein. Bon, là, justement, ça, c'est les lanceurs d'alerte. C'est pas que les voyants, en fait. Hein. C'est toutes les personnes qui essaient, justement, d'informer, et notamment par rapport au futur. Ils vont nous passer aux toilettes. Donc, ils vont nous faire aussi passer pour... voilà, vous avez compris. Du CACA, ben, c'est marrant. Mais c'est la carte, quoi. Moi, c'est la carte qui me le dit, hein. Pour nous isoler davantage. Bon, ils nous ont vraiment, vraiment pas à la bonne, hein. Ouais, voyez, c'est bien les questions de communication. Bon, on reste là-dessus. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui va être... ben voilà, c'est nous, hein. C'est bien ça. Personnes spirituelles, voyez. Vous avez les anges, vous avez toutes la boule de cristal. Donc, les gens qui sont dans le spirituel, qui, à mon avis, on va nous faire passer pour... vous avez compris. Ah oui. Alors voilà, est-ce qu'on va nous faire passer pour comment dirais-je, pour peu sérieux? Certainement, moi je pense. Bon, ça n'apporte rien d'autre. Mais il va y avoir une chasse aux sorcières, en gros c'est ça. Alors, comment va finir Schwabi? On va demander à qui? Bon, on va demander à Kate. Allez, on va demander à Kate. Comment va finir Schwabi? Finira-t-il comme la reine d'Angleterre, dans son lit, voilà, une belle mort. Comment va-t-il finir, Schwabi? Parce qu'il n'est pas tout jeune non plus. Ah, il y a encore la voyance, c'est fou ça. Ah, j'ai les catacombes. Bon, il est peut-être pas très très loin du long repos, lui. Comment va finir Schwabi? Ah, bah, il finira mal. Hein. Bah, écoutez, voilà quoi. Bon, ça parle de lui aussi, c'est vrai. Mais bon, ces gens-là, ils retourneront à leur maître. Hein. Faut pas croire. Hein. Ils ont vendu leur âme. Moi, j'y peux rien. Hein. La chambre à coucher. Bon, ça, c'est sa vie privée. Ah, mais ça veut dire, j'avais dit, va-t-il mourir dans son lit? Ah, non, mais attendez, ça ne s'invente pas. Hein. Non, mais regardez-moi ce que je vous sors. C'est possible hein, qu'il meure tranquillement dans son lit, mais regardez-moi ça. Les deux ensemble. Ah, j'ai fait fort, là. Les cornues avec l'équerre et le compas. C'est lui, hein. Alors, ça se trouve, il va mourir d'une maladie. J'ai demandé comment il va-t-il finir. Bah, écoutez, moi, le jeu me répond. Et de la malbouffe. Bon, ok. Et je sais que vous vous demandez si est-ce que son plan va réussir. Je sais, je l'attends, la question. Alors, je l'attends, la question. C'est comme si je vous entendais derrière vos écrans. Ouais, elle nous a pas dit si il allait avoir... si le forum, si il aurait un grid reset, si le plan du Schwabi allait réussir. Bah, attendez, j'arrive. Alors, est-ce que le plan de Schwab va réussir? Alors ça demande beaucoup de concentration. Donc, je vous demande 30... Enfin, pas 30 secondes, c'est trop long, mais au moins 2-3 secondes. Est-ce que le plan de Schwabi, que je revois sa bouille... Voilà. Il a vraiment une bouille de... Non, je vais pas le dire. De Nizza. Voilà, vous mettrez dans l'autre sens. Est-ce que le plan de Schwabi va réussir? On y va. Kate, dis-nous tout. Il y a des histoires de lois, et il y a des histoires extrêmes, des lois extrêmes. Ouais, ils vont aller loin, quoi. Ils vont peut-être même aller trop loin. C'est d'ailleurs bien pour ça que les gens commencent enfin un petit peu à se réveiller. Je dis un petit peu parce que, bon, c'est quand même beaucoup chez nous. Il y a les Pays-Bas, je crois, et je ne sais plus quel autre pays. En France, bof, quoi. Bon, alors, est-ce que le plan de Schwab va réussir? Est-ce que ton plan, papy, va réussir? L'appât, l'hôpital, l'appât et l'hôpital, ça ne me dit pas si son plan va réussir, là. Ah, j'ai encore la voyance, c'est fou, ça. Bon, ça peut être aussi l'occulte. Est-ce que ton plan va réussir? Bon, vous avez compris. Vous avez le lit d'hôpital avec l'injection. C'est sorti. Et l'appât. Ça veut dire que quelque part, son plan est en partie réussi. Bah, il me le dit là.
les gens ont mordu à l'appât parce que, avec l'hôpital, ils ont pris le truc qui, la piquette, comme dirait Olivier. Donc je dirais que est-ce que son plan va réussir? Moi, le jeu me dit, bah en fait, il a déjà réussi. En partie, en grande partie. C'est le problème. Et c'est vrai. Et en fait, avec cette carte-là, le jeu me dit aussi quelque part que je le sais, quoi. Ben oui, on a quoi, les 3/4 de la population mondiale? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les religions. Bon, ça veut dire aussi que... c'est marrant, ça. Hein? Vous voyez, ça veut dire aussi, reliez-vous. Alors, moi, je vois Jésus. Je sais que c'est les religions. Mais bon, Kate, elle a quand même mis Jésus sur la carte. Hein? D'accord? Donc, je suis parti pris et je vais dire, ayez la foi en Jésus. Pardon. Parce que, vous voyez, cette piquette, elle colle à la peau. C'est pas Jésus qui colle à la peau. Non, non, c'est la piquette. Il y a vraiment que Jésus qui peut remettre tout en ordre. Enfin, moi, j'en suis persuadée, après. Alors, rêve. Ah, c'est marrant, elle était mise dans le jeu, celle-là. Attends, je vais l'enlever parce qu'elle n'était pas bien classée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à Reset? Ouais, agression. Ouais. Ah, on va avoir des moments difficiles quand même. Les sacrifices, oui. Bon. Alors, le plan va-t-il réussir? Je dirais que il a déjà en partie réussi, malheureusement. Qu'il va y avoir encore des choses qui vont être difficiles, notamment au niveau de la violence. Et c'est vrai, on le voit. Hein. Des sacrifices, donc attention, attention, attention. Mais que, à mon avis, il faut regarder vers là-haut. Hein. Ça, je vous l'ai souvent dit. Voilà. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue. Pardon, trop courte. Oui, non, trop courte, je peux pas. Je vais pas faire la vidéo trop longue. Je vais vous en faire une autre, mais cette fois pour les membres. Et puis, n'oubliez pas, hein, si vous avez des idées de... Bah, de thème... Oui, j'arrive, arrête de râler. Attendez, je vais vous la montrer 2 secondes. Attendez, bougez pas. Voilà, je vous la montre, mais elle a plus de patience. Ça, c'est ma minette, vous voyez, elle veut que je la suive. Voilà, là, elle a faim. Donc, je vous la montrerai mieux une autre fois. Ah, elle se retourne. Oui, j'arrive. Bon, ok. Donc, je vous laisse, hein. À plus tard. Bise.